Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Comment faire plus de 100 kills? Eh bien, c'est très facile. Regardez, vous commencez. Je vous balance une grenade. Là, vous tuez un mec. Enfin, vous essayez. Alors, pourquoi vous balancez une grenade à droite? Parce qu'il y a toujours des gars qui arrivent. Et du coup, vous pouvez les niquer facilement. En général, je me mets là où il y a mon pote de play. Alors oui, je joue avec deux potes de play qui vont vachement m'aider. Alors, merci à eux. Merci à Dark Tristan et à Kesmos ici, mon pote de play. Kesmos ici depuis déjà pas mal de temps. Donc, merci à lui. Et merci à Dark Tristan qui va me sortir une micro qui va bien m'aider. On verra ça tout à l'heure. Donc déjà, moi, je mets mon assistant tactique pratiquement tout le temps ici. Je dis pratiquement hein, parce que je la mets pas tout le temps ici. Sinon ce serait trop facile et les ennemis pourront me niquer plus vite. Ensuite je vais tout le temps en haut. Alors pourquoi en haut? Là j'ai failli me faire niquer en plus par deux gars. Alors pourquoi en haut? Parce que en haut les ennemis ils sont plus faciles à buter. Vu que vous êtes en haut, ils regardent pas en haut et du coup vous pouvez facilement les niquer. Là vous voyez que j'ai fait déjà 3-4 kills d'affilée, j'ai plus que 2 kills à faire et je suis à ma micro. Et il y a mon pote de play qui me dit de pas trop bouger. Parce que lui il va avoir sa micro station. Du coup je bouge pas trop. Vous voyez qu'il y a un gars derrière le mur. Je dis à mon pote de play, putain tu peux pas monter, tu peux pas le buter parce que je sais qu'il va tirer à travers le mur et il va me niquer. Du coup il va gentiment venir en haut. Voilà, casse-moi, merci. Hop, il vient en haut et il vient niquer le mec. En l'occurrence il était plus là, du coup c'était un peu plus facile pour sortir d'ici. Donc là voilà, je vais sortir. Vous voyez que là je fais vraiment ma flippette hein. Je suis qu'à 2 kills de ma micro, ce serait vraiment bête de mourir quand même, non, vous croyez pas? Donc du coup je reste un peu là, je campe un peu, oui je campe un peu mais c'est pas grave puisque je vais faire plus de 100 kills et après je vais plus du tout camper, vous allez voir. Donc là voilà, là je vais descendre voir s'il y a du monde sur la carte. Je vois qu'il y a du monde mais j'ai plus de balles, donc du coup je change d'arme, ça me d'arme, elle me le paie pas, je cherche la N94, elle est là, je la prends. Hop, là je vais descendre, me faire un petit kill, 2 kills, et ben non j'en fais qu'un parce que l'autre il a pas pris. Plutôt l'autre, j'ai mal loupé, je l'ai loupé carrément même. Du coup je me suis cassé. Là il y a mon pote de play qui me fait peur parce que lui il était là, il attendait quelqu'un, au final c'était moi. Et du coup voilà, là je reste en haut. J'attends un peu de Dark Tristan qui est sa micro. Et là il a sa micro, il la met. Et du coup là ça va être un peu plus facile. Voilà, allez là c'est parti, il faut que j'ai ma micro. Encore un kill, j'ai ma micro. Et là comme par hasard il balance une grenade IEM. Et ben voilà, je suis obligé de rester ici. Parce que oui, monsieur a balancé une grenade IEM. Et quand on balance une grenade IEM, pendant au moins 15 secondes on voit plus rien. Et ça c'est hyper chiant les grenades IEM, putain. Voilà, ça c'est comme les grenades flash. Quand vous faites flash, putain, vous êtes là pendant un quart d'heure à bouger, vous n'y arrivez pas, putain, ça c'est vraiment saoulant les grenades flash. Oh là là là. Donc là vous voyez, il y a un gars qui m'attend en bas à droite. Alors je ne vais pas, hein, je ne sais pas pourquoi, parce que je vais me faire buter. Là j'ai mon pote de paix qui est allé, il l'a pas vu, il est en train de recharger cet abruti. Du coup boum, je le bute facile. Eh bien oui. Coup de bol, et là il y a un gars qui saute, je sais pas pourquoi. Du coup je le nique, j'ai mes chiens, impeccable, vous voyez. Là je commence bien 12-0 sans vraiment forcer. Vous voyez que je suis pas un gros joueur hein. Puisque putain là le cut il passe. Oh là c'est quand même incroyable. D'habitude jamais les cuts ils passent. Et là le cut il passe. Putain c'est quand même un truc de fou. C'est un truc de fou. Du coup voilà, la chance est avec moi. Et là j'ai mes chiens, mon Lost Star et la micro. Donc c'est super. Là je peux le faire hein, surtout que je suis dans le spawn ennemi, j'arrive bien à les niquer, je suis pas encore mort. Là je vais balancer mes chiens pour faire un peu plus de kills. Je balance pas mon Lost Star de suite parce que pourquoi? Parce que j'ai balancé mes chiens déjà. Et puis en plus je suis dans le spawn, donc j'ai pas envie vraiment de me faire tuer à attendre et à balancer mon Lost Star et être dans le spawn et à me faire tuer. Du coup voilà. Là vous voyez que là mes chiens font 2-3 kills d'affilée, là ça fait vraiment plaisir. Encore un kill pour mes chiens, putain c'est vraiment incroyable. Les chiens des fois autant des fois ils font pas trop. Ça fait beaucoup de défaites. Donc autant des fois les chiens ne font pas de kills, autant des fois, encore une fois des fois, et oui, les chiens en font beaucoup. Du coup ça fait bien plaisir. Là j'ai pris une arme par terre, bah ouais j'ai pris l'arme par terre parce que j'avais plus de munitions. Du coup cette arme là elle va bien hein. Vous voyez que là je vais me mettre ici, je vais attendre un ennemi qui ne viendra jamais. Du coup je vais sortir d'ici, je fais du 28-0, c'est super, je vais recharger parce que j'ai plus de munitions hein, c'est pour ça que je recharge hein, hein. Et là la connerie de fou que je vais faire, vous allez voir. Je vais pas me retourner justement et je vais me faire niquer. Eh bien oui, je vais me faire niquer. Putain, c'est quand même incroyable. Vous avez vu, putain, voilà. D'habitude, j'aurais regardé à droite
Eh ben non, là j'ai pas regardé, en plus il y avait mon pote de play qui me disait putain désolé j'étais en train de monter et j'ai pas pu le buter avant, et j'ai dit c'est pas grave et tout, c'est à moi de regarder. Eh bien oui, j'aurais dû regarder. Faut jamais bouger de place sans regarder comme ça, en tout cas faut vraiment faire attention. Là du coup j'ai pas fait attention et je me suis fait tuer. Du coup c'est super. Là je suis à 32-2, mon pote de play d'Artistan est à 17-6 et mon pote de play Kesmos ici est à 18-12. Vous allez dire que c'est 18-12, c'est pas beaucoup, ni 17-6, hein, c'est pas vraiment beaucoup, alors qu'il y a eu plein de micros. Mais ils m'ont bien aidé, ils jouaient pour moi cette partie, donc vraiment merci à eux. C'est grâce à vous aussi, les potes là, que j'ai eu plus de 100 kills. Faut vraiment jouer aussi collectif hein, dans Black Ops 2 pour avoir les séries de points déjà, et puis en plus pour faire plus de 100 kills, faut vraiment jouer collectif. Et puis quand chacun joue chacun pour soi, ben ça va pas. Là vous voyez que j'ai ma micro, mais je la mets pas ma micro puisque je pourrais pas m'en servir, même si mes potes de play m'ont gueulé que je mette pas ma micro. Ils m'en ont pas trop voulu quand même hein, parce que j'étais dans mon Lost Star, mais bon voilà. Et là vous allez voir que mon Lost Star il va se faire péter en 2-2. Pourquoi en 2-2? Parce qu'il y a deux ou trois gars qui essaient de me viser, mais putain là je l'ai buté. Vous allez voir que regardez, lui il prend pas le missile alors que le missile est quand même à côté. Putain ça m'énerve ça, merde. Lui non plus il prend pas alors que le missile est à côté. Putain tu vas prendre. Ah ça m'a saoulé ça, regardez. Lui il me vise, boum je tire. Oh, il prend pas alors que le mec il est juste à côté. Je balance le missile à côté à quoi 2 mètres, même pas à 1m50. Et le mec il a pas pris. Putain c'est pas grave hein, je fais du 52, c'est déjà pas mal. Mais j'aurais pu faire au moins 3 ou 4 kills de plus avec mon Lostar, même plus que ça. Du coup voilà, je mets ma micro, je mets mon assistant tactique ici, je tue le mec. Et là vous allez voir que ce que je vais faire, je vais vraiment les contourner. Vous avez vu que là il y a un gars à droite, il y a mon coéquipier qui est à droite. Du coup j'y vais pas, du coup là je monte, là je bute le mec. Coup de bol, je savais même pas qu'il y avait un mec là déjà. Pourtant j'ai la micro. Vous avez vu, des fois la micro elle sert pas à grand chose si vous regardez pas la carte. Du coup je vais rester ici un peu ici puisque les ennemis viennent tous ici. Alors moi ça aussi je comprends pas. Les mecs ils se font buter dans la maison. Et eh ben non, qu'est-ce qu'ils font les mecs? Et eh ben ils revont dans la maison. Mais quelle bande d'abrutis, mais je suis pas contourner les gars. Je suis pas balancer des grenades, mais ne râlez pas. Oh, c'est pas français ce que je dis. Bon bref, vous m'avez compris, n'y allez pas voilà dans la maison, là où vous faites tuer. Moi quand à chaque fois je me fais tuer une ou deux fois d'affilée, tout surtout au même endroit, j'essaie toujours de le contourner le gars pour le buter. Ou au pire je l'abandonne, je laisse faire ses kills tranquille. Après si vraiment il fait beaucoup de kills, j'arrête. Vous avez vu que là je suis au couteau, le gars il me voit même pas alors que putain je l'ai visé. Là hop, le coup de cut il passe pas, et là en deuxième il passe. Oh là là, c'est quand même incroyable, le premier il a pas passé, mais le deuxième et le troisième oui. C'est quand même incroyable, le mec il m'a même pas vu, pourtant j'étais persuadé qu'il m'avait vu. Et au final non. Donc coup de bol, il m'a... Bah par contre là il m'a vu parce que je me suis fait buter. Je suis 60-3. Donc c'est super. Là je balance une grenade alors que je vois le mec, donc je suis abruti, je me fais tuer. Là je vais balancer mon Lost Star. Voilà. Et là je vais vraiment bien les viser. Je vais vraiment mais vraiment bien les viser. Je vais pas faire comme tout à l'heure à me faire tuer en 2-2 mon Lost Star. Du coup là je vais vraiment essayer de bien les viser, mais vraiment dessus, vraiment dessus. Vous avez vu que là je vise vraiment dessus. Parce que sinon les mecs bah, ils vont vous péter voilà Star. Là je peux pas viser plus dessus que ça. Hein. Je suis vraiment dessus hein, même là à côté à peine. Mais bon bref, là je vais vraiment faire beaucoup de kills. Vous avez vu dans la kill feed, regardez, c'est moi qui fais pratiquement tous les kills à Lost Star, c'est quand même incroyable, je vais en faire plus de 15 au Lost Star. C'est pour ça si vous voulez faire des kills en pagaille, prenez vraiment le Lost Star. Ça va vraiment vous servir. Alors sur certaines cartes, je suis d'accord avec vous que le Lost Star il ne sert à rien. Mais vous avez vu que là j'ai fait plus de 15 kills, plus de 10 kills avec le Lost Star. Et c'est vraiment vraiment pas mal. Il y en a qui font plus avec le Lost Star, bien sûr, j'aurais pu faire plus moi aussi. Mais voilà, là vous voyez que là je me fais buter alors que le gars je l'avais vu à gauche, mais je me suis dit c'est bon il m'a pas vu, je vais avoir le temps de mettre mon insertion. Et ben non, faut jamais dire ça, faut toujours le buter d'abord. Buter toujours celui d'abord qui vous regarde. Et après les autres, et là vous voyez qu'en l'occurrence je me suis fait niquer. Donc là je repose mon installation tactique ici. Voilà, c'est bien. Il a posé. Après je retourne dans la baraque. Voilà, alors que d'habitude jamais je vais dans la baraque. Mais c'est pas grave. Là j'essaie d'aller là, mais là faut jamais y aller. Parce que là le premier qui vous vise, il vous met deux balles et vous mourrez. Là les deux bombes sont amorcées. Donc je leur dis putain les gars, il faut en désamorcer une, non? Ils disent, pardon pour le bail. Crevé quoi. Donc je sais plus ce que je disais, ouais bon bref. Là je suis dans le garage, là vous voyez que je suis avec ma fal contre une grosse batteuse. Donc là je tente vraiment pas le diable. Je n'y vais pas. Le gars il tire, c'est pas grave, moi j'y vais pas, j'ai une petite fal de merde. Elle tue vraiment. Mais contre une grosse batteuse de loin, j'ai aucune chance. Donc du coup je laisse tirer.
Et là, je reviens à ma position favorite, en haut. Eh bien oui, en haut, tac. Comme ça, moi, je peux faire mes séries de points tranquille. Je suis à 2 de ma micro, à 3 de ma micro, pardon. Là, ce serait dommage que je meure. Donc du coup, je prends vraiment pas trop de rythme. Vous voyez que je suis pas vraiment un gros joueur de Call of, hein. Je zone beaucoup, je reste pas toujours au même endroit, mais vraiment, je regarde les ennemis, où est-ce qu'ils apparaissent sur la carte, où est-ce qu'ils pourraient être. Et regardez, là, putain, je me fais baiser. Et oui, je me fais baiser par un sniper, mais merde, c'est quand même incroyable. J'ai sauté et tout, pourtant, putain, ça me saoule, ça. J'ai sauté et tout, juste pour le niquer, et ben non. Là, il y a mon pote de paix qui me dit, putain, attends, je me fais niquer. Il essaie de désamorcer une fois, deux fois, trois fois la bombe, mais il n'y arrive pas. Alors là, je me dis, il faut faire un truc. Et ben regardez ce que je vais tenter. Regardez bien, je vais faire un leurre. Un leurre, c'est quoi? Et ben vous vous mettez devant vos coéquipiers pour qu'ils vous tirent dessus et pour pas qu'ils tirent à travers le mur et qu'ils vous butent. En l'occurrence, ça a marché. Vous voyez que là, il va désamorcer la bombe tranquillement, même si c'est vrai qu'il y avait du monde quand même encore un peu. Mais j'ai fait un leurre, j'ai fait esprit de me faire tout pour que les ennemis me tirent dessus. Et vous avez vu aussi que je fais beaucoup, beaucoup de kills à la grenade. Eh ben oui, autant des fois je me dis, putain, les grenades sont vraiment cheatées. Autant là, putain, à chaque fois que je balançais la grenade, à chaque fois je faisais un ou deux kills. C'est quand même incroyable. Et ça c'est vraiment super. L'autre, il est dans Solo Star, il est avec nous. Heureusement qu'il est avec nous dans Solo Star. C'est MP Kill. MP Kill, je connais pas, c'était un mec avec nous. Qui joue à peu près bien. Et du coup, voyez que là, j'avais vu le gars à gauche, mais je me suis dit qu'il s'était barré. Et là, je me fais côté. Putain, ça m'a saoulé de me faire côté. Alors que c'était en pleine série. Et vous voyez que je prends vraiment trop de risques. Là, je vais vraiment prendre trop de risques comme un abruti. Je prends vraiment trop de risques. Ça, c'est un truc de fou. D'habitude, jamais je vais dans le tas comme ça. Et là, là j'y vais dans le tas. Donc ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais faire. Jamais aller dans le tas comme ça. Vous voyez, je me fais encore buter. Putain, mais la grenade à la con, elle m'explose à la gueule. Putain, je me fais encore niquer. C'est comme quand même, et là je vais encore me faire niquer, regardez bien. Là j'y vais, là il y a un gars à gauche, je le vois pas, putain je le bute, mais oui je le bute, putain. Le coup de bol que j'ai eu, oh là là là. Là il y a un gars qui va vraiment pas prendre, vous voyez que là je vais aller à gauche. Là je vais lui tirer dessus, et il va pas prendre, vous allez voir. Hop là maintenant, là il prend pas, putain je me fais baiser encore une fois, merde. Enfin bref, là je balance une grenade, et vous voyez que la grenade, boum, elle me fait un kill, putain coup de bol, je suis à 100 kills pile. Ouf, je peux respirer, j'étais vraiment stressé d'atteindre ces 100 kills. Du coup, j'ai réussi. Donc, ça fait vraiment plaisir. Vous voyez que qu'est-ce que c'est ici, mon pote de play, il fait du 32 à 32. Eh bien, je te remercie à toi de t'être sacrifié juste pour moi dans cette partie, Alex. Même si je sais que t'as beaucoup ragé, ben, merci quand même à toi. Merci à Dax Tristan aussi. Mais surtout, merci à toi, Alex, t'as vraiment assuré. Donc, là on est un partout. Donc, bien sûr, pour faire 100 kills, il faut au moins faire 3 manches. Au moins faire 2 manches. Hein. Mais au moins faire 3, ça serait vraiment bien. Là je balance une grenade, boum, je fais encore un kill. Putain c'est incroyable, les grenades ça m'a vraiment réussi dans ce mode de jeu. Enfin dans cette partie, c'est quand même incroyable. Et là une chose que je ne fais jamais, regardez, je me mets jamais ici. Pourquoi? Parce que après c'est très très difficile de sortir de ce spawn. Regardez, les ennemis réapparaissent de suite et vous niquent de suite. Et là hein, en l'occurrence je me suis fait niquer, putain. Enfin bref, là je balance ma grenade et boum, je refais un kill. Oh là 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 là, je refais un kill, c'est quand même incroyable de voir ça. Là je me refais niquer, là à la fin je fais vraiment n'importe quoi, je me fais vraiment niquer plein de fois à la fin. Alors que d'habitude, je vais pas me vanter, mais alors que d'habitude, non, je me fais pas niquer autant. Parce que moi je prends bien mon temps, je regarde bien où sont les ennemis avant de les niquer. Vous voyez que là j'y retourne comme un con, ça m'a pas suffi la leçon de tout à l'heure. Et là je me refais niquer, putain mais quel con, ça m'a pas suffi la leçon. Oh, c'est quand même incroyable. Il reste 1040 et là je me refais niquer, vous voyez comment je me fais niquer plein de fois. Ça c'est des trucs à la con, c'est des erreurs d'inattention ça. C'est quand même incroyable. Là je remets mon insertion tactique. Et là j'y vais, je me dis putain je dois protéger la bombe. Hop, donc là lui il se fait niquer tout seul. Et là c'est parti, là faut que je fasse des kills. J'en ai marre de me faire niquer depuis tout à l'heure. Je me fais tuer pour des erreurs à la con, alors que d'habitude je ne fais jamais ça. Vous voyez que quand vous avez un mode de jeu, enfin un style de jeu, gardez-le votre style de jeu, peu importe l'adversaire en face. Si vous avez votre style de jeu, gardez-le, ne prenez pas de risque à en prendre un autre. Vous voyez que moi j'ai mon style de jeu de zoner, d'essayer de spoon killer. Je dis vraiment d'essayer de spoon killer, comme là vous voyez je fais 2 kills. Je dis vraiment d'essayer de spoon killer parce que je suis un mauvais spoon killer moi. Donc j'essaye vraiment de garder mon style de jeu avec ma fal et tout. Je n'essaye pas de changer d'arme hein, parce que à chaque fois je prends la N94, je me fais niquer, ou même avec une autre arme je me fais niquer. Du coup je prends vraiment mon temps et garder mon style de jeu. Et regardez là bien, là le gars me bute alors que je suis quand même à travers le mur. C'est le problème dans Call of, c'est qu'à chaque fois que vous passez une porte ou un mur, vous vous faites tuer. Ça c'est chiant. Donc là voilà, je fais du 114 à 17. C'est pas mal hein, il y en a qui font plus, il y en a qui font mieux. Il y en a qui font moins aussi.
Mais bon, voilà, j'espère que ça vous aura servi cette petite vidéo. Et puis voilà, gardez votre style de jeu, c'est le plus important pour faire beaucoup de kills. Voilà, à bientôt.